Bienvenue dans les nouveaux Oui c'est possible où je vais à la rencontre de personnes connues ou inconnues qui ont osé créer la vie de leurs rêves, qui ont osé vibrer haut. Les Oui c'est possible, on vibre haut et on impacte le monde. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Gwendoline qui n'est pas seule normalement. Il y a Jennifer, mais elle n'est pas là parce qu'elle attend un heureux événement. Toutes les deux, elles ont créé depuis le mois de septembre sur Alès, dans le Gard, un lieu unique en son genre, inspiré des cafés américains, dans une ambiance conviviale, chacun est libre de se poser et de se retrouver. Ce merveilleux lieu s'appelle le Good Place, alors désolé mon accent, hein, qui réunit un coffee shop, des cours de yoga diversifiés, car Gwendoline est professeure de yoga, et la possibilité d'organiser des événements sur place. Alors bonjour Gwendoline. Bonjour Céline. Comment vas-tu? Ça va, merci. Alors d'où vient cette idée, d'où vient ce beau oui c'est possible? Comment ça s'est passé de l'idée au projet où on est bien là, c'est magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait Ça a été assez long. Voilà, toutes les deux déjà, on se connaît, on est meilleures amies depuis 20 ans. On s'est rencontrées au lycée, parisiennes toutes les deux, on s'est rencontrées à JBD à Alès. On a à peu près à 20 ans eu l'idée d'ouvrir un genre de Starbucks, pour ne pas les citer, il y a 10 ans, il y a 15 ans. On voulait un peu faire ça sur Montpellier. On a eu l'idée qu'on n'a pas faite finalement. On a pris nos chemins différents professionnels et puis moi j'ai continué longtemps des études. Je suis partie à l'étranger. Jennifer, elle était aide-soignante dans le médical pendant 10 ans. Moi, je suis beaucoup vadrouillée. J'ai multiplié les expériences d'ailleurs, parce que je suis partie à Los Angeles pour faire du cinéma, où j'ai découvert le yoga. Donc là, la passion est née. Quelques années plus tard, la vie m'a amenée à Bali, où je suis restée pendant 2 ans et demi parce que j'ai eu l'opportunité de travailler dans un studio de yoga. Donc je me suis formée en tant que prof sur place et je suis restée pour co-manager un studio. Et donc j'ai eu l'expérience de manager un studio de yoga et tout mon séjour entre Bali et Los Angeles, j'étais beaucoup dans les coffee shops. Les coffee shops sont des lieux dans lesquels on peut se retrouver toute la journée et travailler en utilisant Internet, en buvant un café, mangeant quelque chose, en étant tranquille sans être trop dérangé. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'idées en fait, d'ouvrir des coffee shops pendant ces 10 années. Et quand je suis rentrée en France il y a 3 ans, j'ai eu pas mal de projets que je n'ai pas forcément réalisés et j'avais l'idée d'ouvrir un coffee shop sur Paris, qui n'allie pas forcément tout de suite le yoga parce que trouver un lieu aussi grand sur Paris, c'est un peu compliqué. Donc j'avais eu l'idée d'ouvrir le premier coffee shop zéro déchet de Paris. Et finalement, la vie a fait que, en étant en vacances chez mes parents à Alès il y a 1 an et demi, l'été, j'ai eu l'idée en fait de pourquoi pas le créer là. Parce qu'il n'y a pas de coffee shop sur Alès, mais aussi il n'y avait pas de studio de yoga, donc un lieu professionnel où on puisse faire du yoga, où on puisse recevoir les renseignements adaptés et où on puisse choisir le style de yoga et les profs connectés avec des profs différents. Parce que moi, j'avais l'habitude de faire, pendant toutes ces dernières années, à Paris aussi, il y en a beaucoup. Et du coup, je me suis dit, la ville mérite peut-être un petit peu de lumière aussi. Ouais, bien sûr. Voilà, c'était un peu l'idée du projet. Et puis, quand j'en ai parlé avec Jennifer, elle était en transition parce qu'elle souhaitait s'éloigner un petit peu de ce milieu qui commençait à lui mettre beaucoup de pression. Et le projet lui a tout de suite plu. Et donc, on a décidé de finalement le faire ensemble 15 ans plus tard. Donc voilà. C'est beau, c'est une belle histoire. Ouais. Et alors, un an de l'idée à l'ouverture. Pardon. De l'idée à l'ouverture, oui. Un an. Et vous avez dit ça y est, on se lance. Vous avez fait comment? Parce que faut le créer tout ça, là, tout ce qui est beau là. Parce que vous ne le voyez peut-être pas, vous verrez les photos. Parce que c'est bien joli de dire, ouais, l'idée, là on y est, comment ça fait? Parce que... L'idée, alors au départ, n'était pas forcément... l'idée, en fait, je l'avais de faire ça chez moi. Dans une partie de la maison,
Et finalement, ça a évolué entre le fait qu'il fallait qu'on trouve un lieu. Alors déjà, très rapidement, on a eu l'idée quand même de faire Alès Audace. Alors explique un petit peu. Voilà, Alès Audace, qui est un des plus gros concours de France, qui en fait récompense les entrepreneurs audacieux sur le bassin alésien, et qui a une grosse dotation, et surtout qui est assez intéressant par rapport au fait que ça met en lumière les projets, et que c'est pas mal suivi en fait par les Alésiens, donc ça nous permettait juste d'avoir en fait une com assez intéressante. Donc on a monté le dossier, écrit d'une part, et puis on a été reçus à l'oral, et ça s'est super bien passé. Vraiment, le jury était assez intéressé par ce qu'on proposait, et nous a trouvé en fait assez professionnel, et je pense que c'est ça qui a fait pencher la balance. Parce que bon, arriver en disant on va faire du café et du yoga, bon, voilà. Mais quand on savait de quoi on parlait, et notre dossier était assez bien fait, du coup, on a été sélectionné pour faire partie des 10 finalistes au mois de décembre 2019. Et sur la scène, on a été récompensé 5e ex aequo. Bravo du prix général. Yeah. Ouais, on était très contentes, c'est une grande fierté. Et ça nous a permis d'avoir un super tremplin aussi, localement en fait. Eh oui, ouais. Donc on a pas mal de personnes qui nous suivent depuis décembre 2019. Donc c'est sympa, ouais. Donc Alès Audace, créé aussi... Oui, alors Alès Audace, et puis Alès Audace est tombé début décembre. On a commencé à créer la société début décembre, mais ça va faire un an demain. Ah, c'est on demain? On a trouvé le local. C'est pas vrai? Ouais. Allez, on enregistre. Le 11 novembre, en fait, avec Jennifer, le 11 novembre, on s'est dit, tiens, on va aller se balader en ville comme il n'y aura personne. On va essayer de voir où est-ce qu'il y a des locaux. Ouais. Assez grand pour faire le projet, parce que du coup le projet a vite évolué vers le fait qu'il nous fallait un lieu, mais qu'il soit grand. Et oui. Parce qu'en fait à Paris, tous les coffee shops un peu spécialisés qui ont ouvert dans des petits lieux se sont trouvés très vite débordés. Par le monde. Et moi, par expérience, je retourne pas dans un lieu dans lequel je peux pas rentrer au bout de deux fois. Et je voulais pas que ça arrive. Bon, après on n'est pas dans la même ville, mais je voulais avoir un espace qui soit grand. Et je voulais avoir un espace avec au moins une ou deux salles de yoga, donc c'était un challenge aussi. Et en se baladant sur la rocade, on a vu ce local-là, donc on est situé dans le local des anciennes cuisines Schmitt, à côté de Mercier Carrelage, et du restaurant asiatique qui est encore à côté. Et voilà, c'est le seul un peu qui nous a percuté pendant notre recherche. On a appelé, et Monsieur Mercier est venu nous ouvrir, nous montrer le local qui était encore plein de cloisons de Schmitt. Mais on a tombé tout de suite amoureuse parce qu'on voulait garder un côté industriel, donc le côté industriel où on voit les tuyaux apparents. C'est assez typique des coffee shops en fait anglo-saxons. D'accord. Et ça me plaisait vachement d'avoir ça. Ça plaisait vachement aussi à Jennifer. Et on n'a pas visité d'autres lieux. C'était celui-là. Ouais, c'était celui-là. Ça fait oui, c'était un grand ouais, oui quoi. Ouais, grand oui. Grand oui, et puis ça s'est tout de suite bien passé avec le proprio, donc qui a en fait aussi, ça a fait partie de la décision, c'est-à-dire qu'il croyait vachement au projet. C'est bien. Le projet l'a tout de suite séduit, et du coup c'était assez sympa de voir aussi son entrain, donc voilà. Et donc concrètement, donc ici, dans c'est magnifique, franchement. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait quoi, un mois et demi que j'ai mis les pieds avec une amie, et là j'ai fait waouh. Et là j'ai dit c'est un oui, c'est possible, obligé quoi. Merci. C'est un oui, c'est possible, obligé. Alors, dans ce beau lieu, on fait quoi? On fait du yoga? Ouais, on fait du yoga, on sert du café toute la journée, des pâtisseries et de la cuisine entre midi et deux. On est sur une base 100% végétale. Alors, j'en parle pas forcément trop parce que je veux pas braquer certaines personnes qui sont pas forcément ouvertes à ce type de cuisine. Donc, je parle de restauration saine, ouais. Avec des produits qui sont locaux, frais. Donc, on fait tout nous-mêmes, tout nous-mêmes. Oui. À part le pain et le steak végétal qu'on achète, qui est un steak d'origine américaine, qui reprend en fait l'aspect et la texture et le goût de la viande. Donc on a l'impression un peu d'avoir un steak haché et c'est pas trop transformé, ça va.
Mais ça, voilà, ça plaît beaucoup, c'est notre best-seller, les gens adorent. Et en fait, l'idée derrière ce projet, c'était vraiment depuis un moment de montrer aux gens que l'alimentation végétale n'est pas juste de la salade et des graines. Ce que j'ai entendu, parce que moi, ça fait 7 ans que je ne mange plus de produits animaux. Et j'ai toujours entendu le monde me dire « mais tu manges des graines », voilà. Et en fait, pas du tout, parce que c'est l'ouverture vers une cuisine complètement différente, c'est-à-dire qu'on vient réutiliser les aliments de manière totalement différente. Et en fait, au contraire, ça ouvre tellement l'esprit, ce type de cuisine, que j'ai trouvé ça tout de suite intéressant. Et moi, je cuisine pas forcément très bien, mais j'adore faire des expériences. C'est pas moi qui cuisine. Et du coup, je voulais vraiment partager et casser les préjugés sur cette cuisine. Et ça séduit vachement les gens, parce qu'on n'a pas que... Je pense que notre clientèle doit être à 5% vegan. C'est important, ça, ouais. Ouais, et d'autres sont... évidemment, les personnes qui viennent sont assez ouvertes, mais j'ai déjà eu des couples où c'était plutôt la femme qui était ouverte vers cette cuisine, et pas forcément le monsieur. Et alors, il me dit, je viens tester votre burger... soi-disant qui est pas mal et tout, mais de toute façon il y a d'autres fast-food dans le coin si j'ai encore faim, et qui à la fin me disait en fait c'est assez bluffant, c'est hyper bon, on fait la mayo nous-mêmes aussi, et elle est assez impressionnante, donc ça bluffe, c'était l'idée en fait, et c'est un beau challenge, et c'est relevé jusqu'ici, et ma cuisto et mon apprenti sont hyper dévoués. Ah oui. Et hyper douée, donc du coup, ma cuisseau, elle invente plein de trucs, elle se régale, je lui laisse faire tout ce qu'elle veut, et ça elle marche crée, très très bien. Vous êtes vraiment dans la création, là, on est vraiment dans une création. Et quand vous avez été sur ce projet-là, moi j'ai envie de te demander, est-ce que vous avez eu la trouille par moment? On a eu la trouille pendant le confinement. Pendant le confinement, ouais. Moi, je suis de nature assez créatrice de crise de projet, mais j'avoue que c'est vraiment celui que j'ai porté jusqu'à la fin. Ces dernières années, j'ai eu plein d'idées. Moi, je suis toujours plein d'idées. Et comme je suis aussi souvent seule à les mener, au bout d'un moment, j'ai une autre idée qui fait que celle-là, elle sera mieux, donc je vais faire plutôt celle-là. Et comme celle-là, j'étais avec Jennifer. Ça m'a permis aussi d'être poussée vers l'accomplissement. Vous étiez deux. Cette fois-ci, on était deux, et j'étais de retour avec elle. Après, pendant le confinement, effectivement, on s'est posé la question, parce que du coup, nous, ça a retardé notre ouverture, ce qui n'était pas plus mal au final, parce qu'on arrivait à la rentrée, et c'est une bonne période pour créer, surtout dans des activités sportives. Mais là, on avait le challenge où les gens commençaient à parler de la rentrée, la période de septembre-octobre, qui pourrait être une nouvelle vague, et que ça tomberait au moment où on aurait ouvert. Et puis on s'est dit, en fait, finalement, le confinement a amené aussi beaucoup de personnes à faire du yoga, à se poser des questions sur eux-mêmes et sur la manière dont ils consomment, sur le fait que oui, on est plus vulnérable effectivement à un virus quand on a une mauvaise alimentation, ou on n'a pas un train de vie qui soit trop sain. Et moi, je regarde beaucoup de médias spécialisés, et c'est vrai que je pouvais voir qu'il y avait, de plus en plus d'entrain en fait vers la consommation plus végétale, par rapport à la santé tout simplement, et par rapport à l'environnement, bien sûr les animaux, mais je veux dire, généralement ce qui ressort le plus chez les personnes, c'est beaucoup la santé et l'environnement. Et je trouve que en fait le coronavirus finalement a forcé les gens à se poser des questions à ce niveau-là. Tout à fait. Et donc, on s'est dit, et c'est beaucoup Jennifer qui a eu aussi l'entrain à ce niveau-là, en me disant, t'inquiète pas, moi j'ai un peu flippé. parce que j'avais beaucoup de choses en jeu également. Et elle m'a dit, je pense qu'on arrive au bon moment, en fait. Et c'est vrai, cette réflexion était très vraie. Je pense aussi. Mon père aussi était derrière et nous a poussé un petit peu à se dire non, on va l'ouvrir. Puis de toute façon, en fait, on aurait fait quoi? Jennifer, elle m'a dit, moi, je vais retourner dans ma vie. Toi, tu vas devoir aussi faire quelque chose qu'on ne voudra pas forcément, en fait. C'est ça. Donc, on a tenté l'aventure. Et donc, justement, le regard des autres, comment...
de vous voir, parce que tu es jeune quand même, tu es très jeune. Vous êtes jeunes toutes les deux. Oui, le regard des autres, non, je ne sais pas. Vous avez été soutenues ? Ouais. Beaucoup ? Ouais, on a... Oui. Pendant cette aventure, on a été énormément soutenues plutôt que descendues, ça c'est clair. Puisqu'on a cassé, en fait, on a réussi vraiment à casser les préjugés. Je dirais que le fait d'avoir la ville derrière nous, avec Alès Soda, ça a permis aux gens un peu de réaliser que c'était pas un truc un peu cuculapraline. Très perché. C'est ça, en fait, dans le sens où, oui, c'est vrai qu'on on associe véganisme et yoga à des personnes un peu plus peut-être... des préjugés un peu plus hippies, en marge de la société. Et en fait, quand on nous voit, Jennifer et moi, même si on n'est pas forcément typique, on voit qu'on n'est pas, non plus des hippies. Je confirme. Donc, c'est à tous les niveaux, on casse les codes. C'est ça. Et c'était l'idée, en fait. C'est très bien, et c'est super. Et je pense que les gens ont vu également, et moi, l'idée, enfin, le regard des autres, je l'avais beaucoup quand je suis devenue... vegan, s'il faut mettre une étiquette sur tout ce qu'on fait. Ouais. Il y a 7 ans, moi, mes potes me disaient oh, c'est encore une nouvelle lubie de Gwendoline, évidemment, il fallait qu'elle nous en sorte une en venant de Los Angeles. Et en fait, finalement, j'en ai plein qui ont arrêté la viande parce que 7 ans plus tard, ils ont vu que j'étais encore en bonne santé, que j'avais toujours la pêche, que j'avais pas plus que ça changé. Et du coup, ça leur a mis un peu la puce à l'oreille à aller à avancer. Et puis, nous, on n'est pas trop, Jennifer, la première enclin à recevoir des. Les conseils des autres et prendre la critique. Nous, la critique, on la prend pas trop. C'est super. On se sent pas trop concerné par ça. Mais vous avez bien raison et c'est important de continuer comme ça parce que ça vaut le coup. Alors, on enregistre ce Oui, c'est possible pendant la période du deuxième confinement. Ouais. Donc, vous êtes fermé à l'heure actuelle. Mais quel est votre défi du moment ? Alors, on est fermé au public, mais on est ouvert entre midi et deux pour l'emporter. Dans la cuisine, donc la partie coffee shop, en gros, bah, ouvert toute la journée, oui, ça ne peut plus fonctionner, malheureusement, parce qu'on a créé un lieu sympa où les gens puissent se poser, et bon, bah, voilà, ça a duré un mois et demi. Mais c'est comme ça. Après, on est ouvert entre midi et deux. On a eu aussi l'idée de créer des paniers recettes. Donc, on pré-dose et pré-coupe tous les aliments nécessaires à une recette qu'on aura décidée chaque semaine différente. Et donc ça remporte un petit succès également. Petit à petit, les choses se mettent en place, ça fait qu'une semaine. Et à voir, mais ouais, bah, les cours après de yoga continuent de manière normale, mais en ligne, via Zoom. Voilà, en live. Mais clairement, c'est un gros défi parce que bah, on n'a pas du tout... On commence à avoir beaucoup d'activités, à avoir de la salle pleine le midi, parce qu'on a eu un bel article dans Alès Aglo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup moins de fréquentation, forcément. L'emporter, ce n'est pas non plus ce que tout le monde préfère. Non. Et c'est normal. C'est une autre façon aussi de consommer, c'est une autre façon aussi de voilà, et c'est vrai que c'est pas naturel. Donc, c'est un gros challenge, ouais. Ouais, c'est pas une période facile, c'est clair. Donc on verra en fait ce que ça donne. Donc si vous avez, pour ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas, venez commander au Good Place. Vous verrez, vous serez là je fais la pub un peu, mais c'est vrai que vous serez pas déçus. Bah, enfin, c'est vrai qu'on a des personnes qui sont venues deux ou trois fois dans la semaine dernière, donc moi j'avais un peu peur du résultat à emporter, parce que bah, quand on arrive chez soi, est-ce que ça va être encore chaud, encore bon ? Et quand je vois les personnes revenir et re-revenir, je me dis bon, c'est bon. C'est bon, allez, c'est top. On continue à garder. Alors comment... Bon, malgré toute l'ambiance actuelle, comment vous vous sentez toutes les deux ? Enfin, tu vas parler peut-être pour Jennifer, mais toi, avoir réalisé ça, parce que c'est énorme quand même, c'est grand. Oui, ben, je vais parler en notre nom à toutes les deux, parce que comme je disais, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Voilà. On est très connectés, un peu comme des sœurs, mais oui, nous, on est hyper fiers, hyper fiers. Jennifer vient un petit peu moins, parce que bon, bah, voilà, elle a son petit bébé qui va bientôt arriver, donc... Voilà, mais on a porté ce projet toutes les deux et on est encore concernées par toutes les décisions stratégiques. Je ne les prends pas sans elle. Voilà, donc elle a encore et elle sera toujours, même en n'étant pas physiquement là, partie des décisions. On y va. En fait, on est des personnes assez positives. Alors,
Moi, des fois, je peux avoir des côtés, des moments où de doute, mais l'une et l'autre, en fait, on se remonte assez facilement. Vous complétez. Ouais, ouais. Donc, non, ça va, j'essaie de garder la pêche, on essaie de garder la pêche, et puis de prendre les choses comme elles viennent, en fait, toutes les deux, même si on est jeunes, on a eu des périodes de vie compliquées. Mmh. Et en fait, on sait très bien qu'on ne peut pas contrôler les choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, partant de là, on y va, quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de te dire, on est à la fin de l'interview, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de faire quelque chose qui les inspire? Alors, ce n'est pas forcément créer une entreprise, oui, on est bien ouais, d'accord. Ouais. Quelque chose qu'elles ont envie et qu'elles disent, j'ose pas, en fait. C'est tout con, mais oui, il faut oser. En fait, ça paraît être une phrase toute faite, mais pour ne pas avoir osé beaucoup de fois et d'avoir finalement osé, je parlerai pas de fierté, parce que c'est pas de la fierté. De fierté, c'est assez mal placé, mais c'est cet accomplissement, en fait, quand on a créé quelque chose qu'on avait envie de créer depuis longtemps. Comme je disais avec Jennifer, on en a eu envie, ça fait 15 ans. Moi, je crois que j'ai eu l'idée de monter un café dans les 10 dernières années, au moins 5 fois. Ah oui, à Los Angeles, à Bali, à Paris. Et maintenant, ça, Alès. Voilà, à Montpellier le premier. Et alliant toujours le côté humain, environnemental et animaux. Et en fait, je suis très heureuse de l'avoir mis en lumière, parce que finalement, même si la conjoncture actuelle fait que peut-être qu'un jour ça sera plus possible, je l'aurais fait et j'aurais quand même impacté un petit peu et j'aurais suivi mon cœur et ce que je voulais faire. Donc je pense que c'est important d'oser. On ne peut pas regretter après, en fait. Je pense que des fois on regrette un petit peu quand on n'a pas osé. Et quand on ose, on ne regrette pas parce qu'on l'a fait. On le fait pour soi, on ne le fait pas pour les autres. Donc, voilà, c'est à ça qu'il faut penser. Il faut penser à soi et à se dire qu'il faut y aller. Tout l'art de penser à soi. Hein. Tout l'art de penser à soi. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est un art. C'est surtout des fois, on n'est pas entouré. Donc, c'est ça. C'est pas facile. Mais je pense que c'est bien d'oser et ça permet aussi d'être fier de soi. Quoi. Et c'est important. Écoute, merci. Merci, ma belle. Merci à toi. Merci. Et puis, franchement, allez commander. Il n'y a pas de souci. Quand ce sera ouvert, venez. Vous pouvez venir travailler même avec votre ordi et tout. Il y a la Wi-Fi, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Moi, je vous dis, c'est un beau lieu. C'est vraiment magnifique. Et merci d'avoir pris ce temps, parce que je sais que tu vois. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Et puis, moi, je vous dis à très, très bientôt, à très vite. Bye bye. Bye, à très bientôt. Merci.